Il y a quelqu'un? Bye bye. Il y a quelqu'un? Qui est-ce? Amara. Obiora. Bonjour. Bonjour, Amara. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ah, je vais bien. Tu es venu chez moi. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème du tout. Est-ce que je peux me mettre? Ok, assieds-toi. Merci. Et... Alors, comment va Amaka, mon ami, et vos parents? Ah, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Tu vois, Amaka, tu vois, je suis personnellement venu te voir. Ok. Je ressens autre chose pour toi. Et présentement, là, je ne sais même pas comment est-ce que je peux t'en parler. Tu peux commencer n'importe comment. Je suis là avec toi. Regarde, Amara, je veux que tu comprennes que je suis amoureux de toi. Hein? S'il te plaît, je t'en supplie. Écoute, Obiora. Ta sœur est mon amie. Non seulement mon amie, mais ma meilleure amie. Je ne veux pas lui faire du mal. Si tu as des sentiments pour moi, tu dois les éviter. Hey, Seigneur. Hein? Amara. Regarde-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas quoi dire. Nous allons le résoudre. Je te promets, on va tout résoudre. S'il te plaît. Alors, à propos de ta sœur, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Je ne peux pas la blesser. Je veux parler à ma sœur. Je veux lui parler. Tu ferais mieux. Ce visage, qu'est-ce qui se passe? Mon cher, s'il te plaît, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché, mon cher. Ne me dis pas que tu as été encore dur envers cette fille. Regarde, j'ai essayé, oh. J'ai vraiment essayé. J'ai essayé quand même d'arranger les choses. J'ai vraiment essayé, mais ça n'a pas vraiment marché. Mais à tout moment que je suis devant elle, je ne sais pas ce qui me prend, mon cher. Je me sens vraiment vulnérable, mon cher. Je ne sais pas vraiment comment lui prendre. Regarde, écoute-moi bien. Va la chercher. Présente-lui tes excuses. Même si c'est elle qui t'a offensé ou bien toi, s'il te plaît. Où est-ce que je vais les trouver, non? Tu me demandes? Non, Yves, dis-moi, où est-ce que je vais trouver cette fille? Bonne question. Yves. Yves, je ne sais pas où est-ce que je peux trouver cette fille. Oh. Je ne sais même pas. Tu sais, elle apparaît et disparaît d'elle-même. Et je ne sais pas où est-ce que je peux la trouver. There is nothing more. Yves, non. Yves. Hein? Yves, je t'appelle, non? Ne me touche pas. Oh. Bon, d'accord. Dans your confidence. Où est-ce que je vais la trouver? Regarde, Obiora, vous deux vous avez merdé, mais je crois que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais tu es sûr? Bien sûr, par le fait qu'elle n'a pas dit oui ou non. Cela signifie qu'elle est intéressée par toi. Ah, ça c'est vrai, hein. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'elle me donne beaucoup de conditions, hein? Et pourquoi est-ce qu'elle me donne des conditions? Obiora, elle est l'amie d'enfance à ta sœur. Ah. Et ça, c'est le défi principal. Comment? Je ne comprends pas. C'est ça le problème. N'est-ce pas qu'elle est l'amie à ta sœur? Elle est l'amie de ma sœur. Mais le vrai problème est le mensonge. Tu comprends ça? Alors si elle est son amie, parle à ta sœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Regarde, Obiora. Si tu perds cette fille, j'ai parié que tu ne pourras plus jamais avoir une fille comme elle. Je ne veux pas perdre Amara. Je ne peux jamais la perdre. Obiora, est-ce que tu fréquentes quelqu'un d'autre? Une autre personne comme qui? Nkechi? Qui est Nkechi? Ah, fais pas semblant, non. Nkechi, l'ami à ta sœur. Comment ça? Arrête ça, Nkechi, l'ami à ta sœur. Mais mon cher, je t'ai déjà parlé de ça. Je pense que j'ai toujours été un bon ami pour toi, mais en tout cas pour cette fois-ci, je ne te permets plus de mentionner ces noms. Regarde, je ne veux pas être mauvais. Ne me prononce plus ces noms, je te préviens. Il est mieux que tu prennes ça à cœur. Tu es toujours distrait. Tu passes ton temps à aimer une personne qui en retour ne t'aime pas. Kéchi est amoureuse de toi, hein, c'est ton problème. Elle est follement amoureuse de toi. Mais alors va l'épouser. Mais prends-la en mariage. Tu ne veux plus te marier. Va l'épouser. Tu n'as pas de pénis. Va l'épouser. Tu sais quoi? Excuse-toi juste auprès de moi et je te pardonnerai. Et promets-moi que tu ne le feras plus jamais. C'est promis? Non! Je ne veux plus jamais te voir à mes côtés. Tu es très rude! Si tu t'approches encore auprès de moi, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Merde! Pourquoi cette folie? Je me suis perdue! Edosier! Ah! Viens, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a du feu sur la montagne, viens! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que viens tu veux? Viens avec tu veux moi, viens non! Allez où? Pourquoi tu me harcèles? À l'heure où je te parle, hein? J'ai vu ton oncle, Nduka, sur ton terrain. Avec quelques hommes, il paraît qu'il veut le leur vendre. S'il te plaît, allons-y tout de suite! Ma portion de terre! Vite, ma portion de terre. Attends-moi, j'arrive. Allons-y vite. Amaka, regarde, essaye de me comprendre. On ne peut pas se marier à deux. Je t'aime toujours, je t'aime beaucoup. Tu sais que ça sera très difficile pour moi. Je te comprends. Mais si tu m'aimes, alors s'il te plaît, laisse les choses se passer. Laisse passer comme ça. Non. Je ne peux pas te laisser partir. Écoute, je ne peux pas te laisser partir. Ok. Alors je vais tout abandonner, comme ça tu vas avoir ta propre famille. Mais sache que tu resteras toujours dans mon cœur. Tu resteras à jamais gravé dans mon cœur. Alors, tu as déjà trouvé quelqu'un? Non. Pas encore, mais... Je suis en train de penser à quelqu'un. Je pense à quelqu'un qui est aussi amoureuse telle que tu l'es. Quelqu'un dont les parents et toi allez vraiment aimer. Et c'est qui cette personne?
Amara. Amara? Oui. Depuis quand tu as commencé à avoir des sentiments pour elle? Depuis les jours où maman me l'avait suggéré. Alors maman t'a parlé à propos d'elle, mais tu ne pouvais pas me le dire. Je ne t'avais pas parlé de ça parce que j'avais senti qu'il n'était pas encore temps. Et je n'avais même pas en tête. Tu vois, elle est vraiment mon amie d'enfance. Elle est une bonne fille et amoureuse. Elle est le choix parfait pour chaque homme qui la mérite vraiment. Je peux voir ça. Est-ce que tu as déjà parlé avec elle? Voilà pourquoi je suis là. Je veux à ce que tu puisses m'aider à lui parler. S'il te plaît. Ok. Je vais essayer. Merci beaucoup. Sa Majesté, vous voyez, c'est mon guet géant. Nous l'avons. Okay. Et vous voyez de l'autre côté, l'autre là aussi. C'est là la limite. Okay. Maintenant, vous descendez de l'autre côté. Hein? D'accord. Oui, avant que vous reveniez encore ici. Vous voyez, hein? C'est un emplacement parfait pour mon projet. Oh, vous voyez. Et j'aime particulièrement cet endroit parce que c'est là où je mettrai mon avion privé. Ouais. Oui, c'est la très bonne place. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Maintenant, combien vas-tu prendre? 50 millions. Quoi? 50 millions de naira? Oui. Vais-je aussi acheter l'eau? Ah, Sa Majesté. Vous l'aurez aussi. Vous savez que je dois quand même gérer une ou deux choses. Et puis, je dois aussi gérer avec certains membres de la famille. Non, écoute, je te donnerai 20 millions. 20, c'est bon. Ok, donnez au moins 30. Ah, mais écoute, tu sais que ça va dans l'avantage de la communauté. Je sais. Quittez, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites quoi ici? Vous faites quoi? Dites-moi ce que vous faites ici. Si vous ne quittez pas cet endroit, je joue devant vous que je vais vous trancher les gorges. Allez-vous-en, 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 je vais vous faire du mal, allez-vous-en. Yvette, laisse-moi calme, laisse-moi calme. Qui est-il? Je suis en train de demander qui je suis. Je suis celui qui va te trancher la gorge si tu ne quittes pas cet endroit. Allez-vous-en, j'ai dit allez-vous-en, allez-vous-en. Allez, Yvette, laisse-moi calme. Chérie. Maman. Ton frère m'a dit que tu as retrouvé l'homme qui t'avait sauvé la vie. Est-ce vrai? Oui, oui, bien sûr. Et tu me l'as caché aussi longtemps? Non, maman, c'est... juste, bon, excuse-moi si j'ai mal fait. J'allais finir par te dire au moment opportun. Ok. Oui, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Donnez-moi de l'eau à boire. Chérie, amène pour lui de l'eau à boire. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as ce visage? Je dis, donnez-moi de l'eau à boire. Thank you.
Salut. Salut. J'ai commencé à marcher il y a de cela 2 jours. Ok. Alors je suis encore venue te dire une fois de plus merci. Mm-hmm. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir. Comment? Je t'aime. Je t'aime. Même si tu veux t'en aller, je veux que tu saches que je t'aime. Tu m'as dit une fois que l'amour ne tient pas compte de la classe sociale. Si je te demande de m'épouser, vas-tu accepter? Tu m'as dit que l'amour n'a pas besoin de rangs sociaux. Tu m'as dit une fois que l'amour n'a pas besoin de rangs ou de classes sociales. S'il te plaît, viens à moi. Peux-tu m'épouser? S'il te plaît. S'il te plaît. Dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Alors, où est maman? Ah, elle est sortie. Oh, vraiment? Oui. Oh, tu as l'air très jolie. Comment vas-tu? Oh oui, moi aussi, je vais très bien. Sois la bienvenue. Merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux préparer? Je veux faire la soupe. Alors, c'est cool. Devine quoi? Quoi? Devine, non? Quoi? Ah, regarde. Je suis ici pour mon frère. Ah, je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, problème. Il m'a juste dit qu'il a commencé à développer des sentiments pour toi. C'est vrai? Mm-hmm. Et tu l'encourages? Hey, pourquoi ne pas le soutenir? Tu sais bien que c'est mon unique frère. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je ne peux zapper son bonheur pour rien au monde. Je ne veux que le meilleur pour lui. Non, pas juste parce qu'il t'a choisi, c'est aussi parce que tu es ma meilleure amie. Je n'ai pas le choix que de vous soutenir tous les deux. Ou bien tu n'es plus amoureuse de lui? Oui, je l'aime. Je veux juste que tu l'approuves. C'est pour éviter la mésentente de la fois passée. Parce que je ne veux plus avoir des accrochages avec toi. Tu es plus qu'une amie pour moi et je t'aime beaucoup. Amara, tu n'as plus besoin de t'inquiéter parce que maintenant là, c'est noté et signé. Merci. Merci. Princesse. Chérie? Ah, maman, tu m'as effrayée. Tu es amoureuse. C'est vrai? Maman, tu recommences? Parce que c'est trop évident, ça se montre sur ton visage. Maman, s'il te plaît, ne recommence pas. Alors, est-ce que tu peux tout me dire?
Ok. La vérité est que il m'a fait la demande et je dis oui. J'ai accepté. Waouh! Alors c'est qui le résolu? C'est lui dont son sang coule dans mes veines. Douzier? Oui, maman. Waouh! Oh, ma chérie, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Maman, es-tu contente pour moi? Oui, parce que tu l'aimes. Et il te rend heureuse. Alors, je suis heureuse pour toi. Félicitations. Honnêtement, je ne croyais pas que tu allais m'encourager. Maman, tu m'as fait du bien. Merci pour ton encouragement. Là, je t'aime, chérie. Merci, maman. Regarde-toi, tu es Je t'aime, maman. Merci. Je suis très contente, mais tu devais d'abord le remercier. On le fera, maman. On le fera, t'inquiète. Maman, arrête. Maman, il me fait du bien, je te dis. Il me fait... En fait, il me fait tellement du bien. Je sais. Mais oui, elle a dit oui. Écoute, je suis l'homme le plus heureux sur Terre maintenant. Regarde autour de toi, il n'y a pas un bon monsieur comme moi. Elle a dit oui. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ne suis-je pas bien? Je suis bien là. Je vais très bien. Écoute, comment vas-tu le poser quand tu n'as pas de travail? Mais j'aurai un travail, non? Les gens, tout le monde cherche le travail et puis ils finissent toujours par l'avoir. Je vivrai bien, ne t'en fais pas. Suis-je différent d'eux? D'ailleurs, calme-toi. La fille m'a dit qu'elle va parler à son papa. Sois calme. Et il peut me trouver du travail. Quoi d'autre? Écoute, ne penses-tu pas que c'est un moyen qu'elle cherche à te rembourser pour ce que tu lui as fait? Je ne te comprends pas. Quand cette fille venait ici, tout le monde était comme ça. Elle tremblotait comme ça. Mon cœur aussi tremblotait comme ça. Et maintenant, elle-même, moi aussi je l'aime, quoi d'autre? Et si elle me donne du travail, je peux gagner de l'argent. Ce n'est pas ce que tout le monde fait. Je suis heureux. Tu es jaloux? Non, je pense à la façon dont la vie peut changer pour tout le monde. Et oui, je sais que tu n'as pas de femme. Et là, tu dois être jaloux. Mon frère, je suis heureux pour toi quand même. Merci, merci, merci. Et deux zéro, Kim. Ah, mon gars, Fa. Vraiment, hein? Mon histoire est au point d'échanger, mon cher. Mon frère. Je te jure, mon cher. C'est la force du destin. Ma princesse. Papa, je ne sais pas si tu es occupée. J'aimerais parler avec toi. Ah, assieds-toi, assieds-toi. Je ne peux pas être Merci. Trop occupée pour ma princesse. Merci. Ok. Bien. Papa, bientôt tu auras un visiteur. Tu t'amuses? Pas du tout. Je te dis la vérité. J'aimerais d'abord avoir ta confirmation avant de leur dire de venir ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire qu'ils viennent. Merci, papa. Merci énormément. De rien, ma chérie. Mais... tu ne m'as rien dit à son sujet. Je veux dire, je veux savoir s'il possède les qualités requises pour être un beau fils. Oui, papa, je ne t'avais encore rien dit parce que je voulais vraiment me rassurer qu'il m'aimait bien. Et si je l'aimais aussi, là, comme je te dis, donc ça va. Ça se lit dans tes yeux. Ouais. C'est bien. Appelle-moi ta mère. D'accord, papa. Merci énormément. De rien. Hey, Amara. Bonjour, Obiora. Bonjour, Amara. Est-ce qu'Amak est là? Non, elle est sortie. Oh. Y a un problème? On s'était entendu de sortir ensemble. Et je suis désolé. Hein. Dis-lui que j'étais venue à son retour. Hein. Amara, s'il te plaît, attends. Amara. Hmm?
Ma soeur m'a dit que vous aviez échangé. Alors dis-moi, vous avez discuté? Oui. Je suis sûre que tu l'avais envoyé. Oui, je l'avais envoyé. Qu'en penses-tu? Obiora. Oui. Je te donne alors mon cœur. Hein? Mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu vas me faire tomber, s'il te plaît! Désolé, désolé, désolé. En tout cas, je suis désolé. Alors, où vas-tu? Je vais voir. All I see is love. True, true, I've fallen in love. On a même un obio. Oh, démon à l'eau. Mon cher. Je suis Ré. Très très bonne. Mais attends, Obiora, je suis un peu dans la confusion. Tu veux dire que finalement Amara t'a accepté? Ah oui, oui, avec de l'aide de ma sœur. C'est vrai ça? Alors, c'est vraiment bien ça, c'est vraiment bien ça. Et quoi après? La prochaine étape est que nous irons chez elle et payer la dot. Payer sa dot? Eh oui, non. Si rapidement. Mais quoi d'autre? On a vieilli, s'il te plaît, Obiora, attends d'abord. Tu veux dire que tu veux te marier à Amara, mais tu ne m'as pas informé, moi, ton ami. Mais mon cher, ça c'est quelle connerie. Pourquoi est-ce que je t'ai invité? Mais je t'ai invité pour te l'annoncer, non? C'est pourquoi je t'avais invité. Maintenant, je t'invite pour une deuxième fois. Parce que tu iras avec moi pour payer sa dot. En tout cas, c'est vraiment bien. Et pourquoi ne pas être en joie? Hein? Je t'ai dit. Ça veut dire que bientôt, tu seras un homme de famille. Ben oui. Et qu'après, tu seras un papa. Un papa. Je t'ai dit, un grand papa. Hey, je te jure, donc, ça veut dire que tu ne seras plus un bébé ou... mon ami d'enfance. Enfin, je suis tellement fier de toi. Ça sera extraordinaire. Je te jure, mon cher. C'est vrai, papa. Il faut tripler la nourriture. Donc même si je vais sans manger, que je vienne chez toi. Je te jure, vraiment, mon cher. Franchement, je suis très content. Beaucoup de moyens avec un véhicule, je te jure, ce sera extraordinaire. Bah oui, mon cher. Oui, papa, parce que tu seras à mes côtés. Tu seras mon meilleur pote. Et je te jure, j'ai pas besoin d'avoir un autre pote que toi. Ah, je sais, non. Je sais qu'après toi, c'est moi qui dois me marier. Attends, attends, tu verras. Ah, d'accord. Bon, je te dis. Prends d'abord, prends, prends. Pourquoi tu me regardes comme ça? Écoute, sais-tu que tu ressembles à une mascarade? C'est faux. Les gens disent que je suis très jolie comme Elisa. Vraiment? Ça veut dire que cette personne doit être aveugle? Mais pourquoi tu es jaloux de moi? Égolé, il a quoi? Pourquoi tu veux m'embêter? Tu fais comme si je n'étais pas ta sœur. Si tu m'aimes pas, il y a d'autres personnes qui m'aiment. Kechi, j'étais d'ailleurs en train de venir chez toi. Le boulot commence déjà à toucher à sa fin. Es-tu sérieux? Mais oui, bien sûr. Regarde, Obiora t'a finalement accepté. Ah, mon Dieu! Merci beaucoup. Il ne peut même plus rester une minute sans pour autant penser à toi. Je suis tellement contente. Mais comment sais-tu qu'il pense à moi? Ah, regarde encore. Fallait voir la manière dont il était en train de chanter ton nom comme une Selington. Kechi, Kechi. Ah, il t'aime énormément. Il ne peut même pas tenir une minute sans penser à toi. Merci beaucoup, Ogé. Merci, mais ne me remercie pas encore. Il y a un problème. C'est quoi encore? Tu le sais, non? Amaka? Exactement. C'était le problème. Ah, ok. Qu'allons-nous donc faire? Ne t'inquiète pas, je peux quand même gérer ça. Mais ça va encore te demander un peu de 5000 naira. Ah? Oui. 5000? Ah. Ok, s'il te plaît. Je n'ai pas cette somme-là. Donc tu n'as pas 5000? Est-ce que tu sais qu'elle est plus compliquée? Et d'ailleurs, plus compliquée que son frère. Hein? Regarde, je suis même supposé te taxer 10 000 naira pour tout ça. Oui, non? C'est bon.
Je veux te l'emmener demain. Demain? Demain, c'est très loin. Regarde, il n'y a pas de temps à perdre. Fais-le rapidement. Sinon, cette fille Amaka risque de te ravir. Au hein? Oui, bien bah, sûr. Sans effet. Obiora est à moi. À moi-même. Je l'ai ici. Obiora t'appartient. Toi seul. Pas de problème. N'amène pas l'argent et continue à espérer. T'inquiète. Continue demain. À espérer. Sois calme. Demain? Oui, demain. Demain? T'inquiète, je t'emmènerai demain. Demain? Ok, demain. Demain? Demain, non, je vais te l'apporter. Ah, c'est quoi avec toi? Godoma. Comment ça va? Je vais bien. Est-ce que tu aimes mon make-up? Hein? Tu aimes mon make-up? C'est maquillage. Oui. Ah, tu parais comme une nouvelle mariée. Et ma robe? Yeah. Ton habillement. Oui. Oui, ton habillement, ça va. Ça colle avec le maquillage. Est-ce que je suis comme ta femme? Tu dis quoi? Je suis comme ta femme. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Mariée? Oui, ta femme. Oui, moi, ta femme. Egode, as-tu mangé? Non. Ah, tu n'as pas mangé? Ah, tu dois manger. Ok. Ok. Tu dois manger. Je dois manger. Tu veux manger? Oui. Ah, ok. Si tel est le cas, attends-moi là devant. Je vais juste prendre le sac et je te rejoins là-bas. Ok. Hein? Ok. Tu sais où l'entrée se trouve? Tu vends l'air, tu prends la droite. Ok. Ne prends pas la gauche. Suis juste cette direction-là. Hein? Je vais passer par ici et je te rejoins là-bas. Ok. Hein? Chérie. Oh, d'accord. Ben, tu devais mettre quelque chose de mieux. C'est ce que j'ai. Oh non, mais tu as une bonne apparence. Je n'ai pas de problème avec ce que tu as mis. Merci. Allons-y alors. I see it's love. Juju, I've fallen in love. On an amnobio. Oh, demonar. All I see is love. True, true, I've fallen in love. On a memorabilia. Oh, mama, mama. Ha! Mama. No. Mama. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, maman. Vraiment, mon fils. Je t'ai remarqué depuis hier. Qu'est-ce qui se cache derrière ta joie? Ah, maman, je sais que tu seras tellement contente. Hein? Sois calme, maman. C'est quoi, mon fils? Finalement, Amara a accepté ma proposition. Hein? Ah! Hey! Ogini! Ogini! Hey! Mon fils! Donc, oh mon Dieu, je suis devenue sa belle-mère. Hey, je vais commencer à marcher comme ça. Hey, Ogini, Ogini, hey, Namo. Maman. Ta sœur le sait. Hey, de toutes les façons, c'est ma sœur qui m'a aidé à la convaincre. Hey, c'est vrai? Oui. Donc, je veux devenir belle-mère. Wow. Moi vraiment, belle-mère. Hey, mon Dieu, oh, quelle comme joie ça, pour moi. Comme hey, ça. Comme ça là, comme ça là. Moi, maman. T'aurais des petits-fils. Hey, mon fils, vraiment. Dieu va bénir Amara pour moi. Amen. Et que Dieu bénisse votre union. Amen. Ah oui. Hey.
Je serai très contente, mon fils. Eh oh. Moi, je te jure. Je dois être contente, mon fils. Hein? J'aurai des petits-enfants. Hey, je te dis. D'accord. Hey. Attends d'abord. Je continue. D'accord. Hey. All I see is love. True, true, I've fallen in love. On a memorable, all the moonlight room. All I see is love. True, true, I've fallen in love. Papa? Ouais. Il est beau. Oui, c'est vrai. Sois le bienvenu, jeune homme. Hé, bébé, prends place. Mets-toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous foutez ici? Qu'est-ce que vous foutez sur ma terre? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Si vous ne quittez pas cet endroit, je vous jure devant Dieu que je vais vous trancher les gorges. Je vais vous quitter, Yvette. Yvette, va-t'en. Va-t'en, Yvette. Va-t'en. Tu es en train de demander qui je suis. Je suis celui qui va te trancher la gorge et tu ne quittes pas cet endroit les minutes qui suivent. Yvette, je vais te faire du mal. Je vais te faire du mal. Yvette, laisse ma vie calme. Laisse-moi calmer, Yvette. Yvette, toi, tu blagues avec moi. Tu blagues. Attends, je vais te faire du mal. Attends. Dire que tu m'as déçu est un euphémisme. De quoi parles-tu, papa? Mon amour, Edosé! Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Maman? Chérie? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que... Bébé, pourquoi tu me demandes de t'attendre? Attends, rentre s'il te plaît. Et dis à ton père que tu es désolé de l'avoir déçu. Laisse-moi calme. Mon amour, arrête ça, s'il te plaît. Ce n'était pas de ma faute. Bébé. Ogé, de quoi parles-tu? Je parle à propos du problème d'Amaka. Ses parents deviennent un obstacle pour nous. Et spécialement la maman. Spécialement leur maman. Tu sais au moins comment le maman se comporte quand elles savent que leurs enfants veulent se marier. Je sais, mais... Mais quoi? Il n'y a pas de mais. Excepté si tu ne l'aimes pas. Et ce qui est plus grave, c'est que tu es déjà loin pour arrêter avec ça. Ah, non! C'est vraiment ce que je crains. Ça commence vraiment à m'effrayer. Pourquoi es-tu dérangée? Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Tu n'as pas encore commencé. Hein? Tu n'as même pas commencé. Regarde, laisse-moi te dire. Tu vois tous les sacrifices que tu es en train de faire maintenant. Quand tu vas te marier à lui, tu vas lui accorder de la valeur. Chekwalo, laisse-moi te demander. Est-ce qu'Obiora sait que je dépense beaucoup d'argent pour lui? Réponds-moi. Mais ma chère, regarde comment tu parles. Tu devrais d'ailleurs aller chez eux pour savoir ce qui se passe. Hmm? Il allait presque gifler ses parents juste à cause de toi. Hein? Oui. Gifler? Yeah. Non. C'est une exagération, non? Laisse-moi te demander. Toi, inquiète, est-ce que tu peux gifler tes parents à cause d'un homme? Hein? Sans effet. Jamais. Yeah. Moi, gifler mes parents à cause d'un homme. Yeah. C'est quelle bêtise, ça? Tiens, je peux pas faire ça. Tu vois maintenant, mais il le fait parce qu'il t'aime. Obiora... Tu fais tout ça pour moi? Je savais pas qu'il m'aimait autant. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Tu sais, non, tu dois, mais... Mais donner quand même quelque chose, hein. Tu comprends un peu de quoi je parle, non? Je ne comprends pas. C'est vraiment attends, de toi. Attends, je ne comprends rien. Ok. Es-tu en train de dire que moi, Nkechi, couche avec toi? Essaye de répéter, je n'ai pas bien compris. C'est ce que tu es en train de me dire? Yeah. Au moins, je vais juste occuper à le donner à Obiora. Ok, pas de problème. Mais quand tu changeras quand même d'avis, tu pourras me chercher. Hey, reviens ici. Mais pas jusque-là, non? Mais ce que tu me demandes là, ce n'est pas du tout juste. Pourquoi dois-je coucher avec toi? Pourquoi est-ce que tu le veux? Hein? Pourquoi veux-tu prendre ce qui appartient à ton ami? Ce n'est pas juste, non? T'inquiète. J'emprunterai l'argent pour te donner. L'argent? D'accord, garde ton argent, tu fais avec ce que tu veux. Attends, non? Hein? Ça doit être comme ça? Mais je t'ai déjà tout expliqué. Tu connais ce que ça veut dire. Ok, ok, c'est bon. Je suis en train de réfléchir. C'est très difficile pour moi. Je le fais juste pour Obiora. Ok, tu n'as même pas raison de penser ça. Tu sais tout ce que tu es en train de faire. Tu es en train de perdre du temps. Ok, j'accepte. Alors promets-moi que c'est la dernière fois. Écoute, juste une fois. Plus question, je te dis. Après tout ça, ça sera... Obiora. Obiora. Oui. Allons-y, vas-y, je te suis. J'ai entendu, mais vas-y doucement aussi, non? Allons-y, doucement. On va le faire juste pour une dernière fois, juste pour une dernière fois. C'est bon, pour une fois, une fois. Truth doesn't hide forever, our love will be forever, we are meant to be together. Qu'est-ce qui était arrivé, ma sœur? Quoi? Papa est en train de tout faire pour gâcher ma joie. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Se sont-ils rencontrés avant? Je ne sais pas. Il ne peut pas m'empêcher de l'épouser. Il ne peut pas. Je suis confus. Pourquoi est-ce que ceci arrive? Que signifie tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ma fille. Maman, pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi papa m'a fait ça? Si je ne me marie pas à Edozé, je vais me donner la mort. Arrête. Je le ferai. Ne dis pas ce genre de choses. Maman, je continuerai à le dire. Maman, c'est la dernière fois que papa refuse l'homme que je vais épouser. Il doit laisser ses habitudes. Ce n'est pas bien. Veut-il me tuer? Non, calme-toi. C'est pas juste. Non. T'inquiète, je parlerai avec ton père. Tu ferais mieux. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est bon. Maman, je suis amoureuse, s'il te plaît. Je sais, mon enfant, oui. Aide-moi, je suis amoureuse. All I see is love. True, I've fallen in love. On a never not be love. All I see is love. True, I've fallen in love. On a never not be. Hey, es-tu sérieuse? Ah, Nai. Wow. Si c'est vrai, ça veut dire que notre fils va devenir un homme très bientôt. Nai, c'est quoi ça, non? Très bientôt, je serai belle-mère. Je m'apprête pour le confirmer. Oui. Obia. Oui. Bien. Appelle-le pour moi. Obiora. Ton père a besoin de toi, oh. Hey, Obim. Vraiment, mon fils est prêt à faire. Où est-il? Ce que j'ai toujours attendu. Une très bonne nouvelle. Au père, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce garçon longtemps avant? Ce garçon est une mauvaise semence. Il ne peut pas faire partie de cette maison royale en aucune forme. Que ce soit un ami ou un beau-fils. S'il vous plaît, père, puis-je savoir la raison? Il n'est pas un homme à qui on peut se référer comme un beau.
C'est un voyou. Père, je sais que quand vous dites tout ça, alors vous êtes pleinement conscient. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous motiver cela? C'est alors très mal si vous agirez ainsi, considérant tous les sacrifices consentis pour votre fille. Qu'est-ce qu'il a fait qui n'a été jamais fait avant? Hein? Es-tu le premier à sauver la vie à quelqu'un? S'il n'avait pas sauvé la vie à ma fille, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Père, je vous comprends. Mais ce pauvre garçon a perdu sa mère. Tout en cherchant à sauver ma sœur, qui est votre fille. J'ai fini de discuter de ce sujet. Quitte ma chambre. Maintenant. La plus douce. Hein? Ah. La plus douce, c'est toi. Laisse, non. Hein? Veux-tu encore qu'on rentre là-bas? La plus douce que j'ai jamais connue. C'était bon. N'importe quoi. Laisse-moi. Écoute, laisse-moi te dire. Écoute, rassure-toi que tout marche bien. Parce que dès que je suis là. Hey! J'ai très mal. Hey, fais-moi confiance. Je les ferai pour toi. Fais-moi confiance. D'accord. Kichi, allons-y intérieur comme ça. Je veux mettre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu. Faire quoi? Je t'en supplie. T'as un problème, toi. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. N'importe quoi. Laisse-moi tranquille. Je t'avais promis. Je veux le faire pour toi. Écoute, je le répète encore. Rassure-toi que ça marche très bien avec Obura. Je te dis la vérité. Fais-le très bien. Ah, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie. Dégage. Un tout petit peu. Ne fais pas ça, je pense n'importe que je quoi. Fais gaffe, oh. Tu m'as entendu. Écoute-moi très bien. Écoute, ne me complique pas la situation, oh. Rassure-toi de bien le faire, hein. Tu m'as bien s'il compris. Te plaît, viens me donner ce que je veux. Lâche-moi. Je t'avais promis que je vais tout régler. N'importe quoi. Quitte-la. C'est quoi? Ne t'en va pas. S'il te plaît, je t'en supplie, oh. Reviens. Hey! Fallait voir la manière dont elle s'est plaignée quand je faisais. Non, pardon. Hey, mon Dieu, Obira, nous allons mourir ici. J'obtiens toujours ce que je veux avec ton nom. Hey! Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde comment tu as ruiné le bonheur de notre fille. Je m'en fiche. Oui, son bonheur. Je m'en fiche. Parce que c'est cet homme-là qui avait sauvé sa vie. Je dis, je m'en fiche. L'homme-là, je ne le veux pas. C'est ça ma décision et c'est définitif. Ça, jamais. Ce n'est pas juste. Tes ajustements n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oh! Ce n'est pas juste. C'est toi qui ruines les bonheurs de notre fille. Ce n'est pas juste. C'est une bonne nouvelle. Donc, je deviendrai grand-père très bientôt. Ah, je n'arrive pas à croire. Dieu merci. C'est papa, une très bonne nouvelle. Mon fils, viens t'asseoir ici. Merci, papa. Ta maman m'avait donné une nouvelle. Papa, est-ce que maman vous a raconté est vrai? Oh, donc c'est vrai? Exactement. Oh, tu vois, Amara est une très bonne fille. Venant d'une très bonne famille. Mm-hmm. Hein? Elle est très bien éduquée. Papa. En fait, mon fils, tu as fait un très bon choix. Merci, hein? Papa. Alors, qu'est-ce que tu planifies après? Mon plan futur, c'est d'aller voir sa famille. Et après? Et chercher à faire tout ça. Hey, ça c'est mon fils. C'est vrai, ça? Hein? Maintenant, tu parles comme un homme. Tu sais quoi faire après? Tu dois toi-même te mettre ensemble. Est-ce que tu me comprends? Oui, tu comprends ce que ça veut dire? Je comprends. Va maintenant te préparer et t'apprêter. Hein? Quelle joie de voir mon fils grandir.
Je suis l'homme le plus heureux sur Terre. En tout cas. Hein, prépare-toi déjà. Hein. Hey, la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez? Jeune homme, j'ai avalé mon égoïsme pour venir ici tout seul. Ce qui est là-bas, c'est ma manière de réciproquer pour ce que tu as fait pour ma fille. Je pense que c'est assez pour te récompenser. Je n'ai pas demandé à ce que vous puissiez payer ce que j'ai pu faire pour ma fille. Ferme-la! Tu ne parles pas à moi ce que je te demande de parler. Maintenant, il y a 5 millions dedans. Ça devrait être assez pour te changer la vie. Je veux que tu t'éloignes de ma fille. Ne t'approche plus d'une pouce de ma fille. Et que ça entre bien dans ta tête. Un homme de ton statut ne peut jamais, jamais être mon beau-fils. Je ne t'ai pas demandé cet argent. Je n'ai pas demandé ton argent. Je ne l'ai pas demandé. Viens prendre ton argent. Je ne l'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé ton argent. Viens récupérer ton argent. Viens le récupérer. Je ne l'ai pas demandé. Je t'ai pas demandé de me payer. The way you see yourself, oh, is the way others will see you. Merci d'être là pour moi. Je confirme maintenant que tu m'aimes beaucoup et tu t'occupes plus de mon bonheur et de ma joie. C'est ce que je voulais faire. Merci beaucoup. Arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête. Je savais que ceci allait arriver. Si au moins on n'avait pas permis à ce qui est arrivé cette nuit-là au Biora. Amaka, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, ok? Arrête de pleurer. Je suis vraiment désolé. Tu vas vraiment me manquer. Et tu vas beaucoup me manquer. Je veux que tu me promettes une chose. Regarde, tu peux me demander n'importe quoi, je le ferai pour toi. Promets-moi que tu ne diras à personne ce qui est arrivé entre nous. Ah, je te le promets. Je te promets que je ne dirai jamais à quelqu'un à propos de ce qui est arrivé entre nous. À quoi ça sert? Je veux juste avoir un pacte. Hein? Tu es sérieuse? Oui, Obiora. Pardon. Hey! Oh! À cause du danger qui peut guetter mon futur. Pardon, Obiora. Personne ne va révéler le secret.
Sinon, cette personne affrontera les conséquences. J'accepte. Et la dernière chose, Obiora. Quoi d'autre? Tu dois me faire l'amour pour la dernière fois. Oh, Amaka, vraiment, s'il te plaît, on ne peut plus faire ça. Obiora, pardon, tu dois le faire. Tu n'as pas d'autre choix maintenant. Tu dois le faire. Si tu ne fais pas ça, cela veut dire que tu défies les autorités. Ok. D'accord. So whatever you do counts for you. You don't cease to do good. As you see your beauty, so everyone will see. Mon amour. Hey, tiens-toi là-bas. Ça appartient à ton papa. Alors tu vas lui dire, un, que je ne suis pas un glouton, je ne suis pas affamé. Deux, dis à ton papa que le fait que je me retrouve dans cette situation ne lui permet pas de venir jouer avec ma vie. Trois, demande-lui de ne plus venir à la maison pour me déranger. Ça veut dire quoi? Tu es averti, oh. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Et Dosier? Qu'est-ce qui lui arrive? On est même un abîme, on démon à roue. All I see is love. True, I've fallen in love. On est même un obio, oh démonaro. All I see is love. True, I've fallen in love. On est même un obio. Ma princesse. Je t'ai emmené ceci, papa. Ça provient de Edosier. C'est ça qui nous est familier. N'est-ce pas? L'ignorant a retourné mon argent. Et cette même personne avait perdu sa mère juste parce qu'il voulait sauver la vie de ta fille. Toi qui es supérieur, il l'a fait pour toi. Papa, pourquoi est-ce que tu es ingrat? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Assez. Ce garçon est la raison pour laquelle je suis en vie aujourd'hui. Assez. Vas-tu te taire? Écoute, quel que soit le sacrifice que l'homme-là a fait pour toi, il n'est pas digne d'être appelé mon beau-fils. Papa, c'est pas juste. Tu es très méchant. Tu peux fermer ta bouche. Ne me dis pas de me taire. Je n'apprécie pas ce qu'il fait, maman. Il est très méchant. Comment oses-tu parler à ton père de cette manière? Benny? Écoute, l'homme-là a jeté un sort à ma fille. Tu ferais mieux d'appeler ta fille et la raisonner. Vraiment? Tu as complètement eu tort de faire ce que tu as fait. Mon mari, c'est vraiment un manque de respect. Mais qu'est-ce que tu as fait? Aucun montant ne peut compenser ce qu'il a fait pour notre fille, notre unique fille. Il a sauvé sa vie. Et qui t'a dit que c'est pas mon argent qu'il poursuit? Tu es incroyable. Mon garçon, tu as vu ton père, hein? Fais-le raisonner. Tout pour toi, c'est de l'argent. Classe. Il n'épousera pas ma fille. Ma sœur. Je veux rester toute seule. Veux-tu vraiment rester seule? Avec tout le respect, je veux rester toute seule. S'il te plaît, pars. D'accord. Je te laisse.
Bonjour, papa. Bonjour, maman. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ah, Amara, qu'est-ce que tu fais là, non? Ah, c'est à moi de te poser cette question. Hein? Désolée, oh. Peu importe. Je suis venue voir mon amour. Mon amoureux de mari. C'est qui? Obiora, bien Tais-toi! Sûr. Tais-toi! Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton problème? Tu as perdu ta tête? Oh, Bim. Mais je ne comprends pas. Comment oses-tu venir chez moi et tu cherches à m'embarrasser devant mes parents ainsi que ma femme? Quoi? Ta femme? Tu l'as très bien entendu. Amara est ma femme parce que je payais la dot. Écoute, je vais te dire quelque chose. N'ose plus jamais durant ta vie de répéter ce que tu viens de faire. Oh, Bim, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas le faire après tout ce que j'ai eu à faire pour toi. Arrête-toi là. Tu l'as bien entendu. Nous sommes mariés. Nous sommes mari et femme. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, rien ne s'est passé. Et d'ailleurs, il n'est même pas important que nous puissions en parler. Maintenant, sors de cette parcelle avant que je ne m'énerve. Hein? Je ne bougerai pas d'ici. Oh, bien, tu sais ce que j'ai subi à cause de toi? Tu sais combien j'ai dépensé à cause de l'amour que j'ai pour toi? Tu le sais? Sais-tu combien j'ai dépensé pour toi? Et maintenant là, tu me demandes de partir. Ah! Non, je ne bougerai pas d'ici. Ah! Je ne partirai pas, oh! Je dis la vérité. Chai! Ça, c'est quelle fille comme ça? Tu penses peut-être que je suis là, je suis en train de m'aventurier? Attends, tu verras. Je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas Obiora, d'ici. Je n'ai qu'à partir. Obiora, reviens ici. Obiora! Je ne bougerai pas d'ici. Tu es une folle fou! Obiora! Tu ne fais que pour chercher des problèmes. Obiora, laisse-la! Mon mari, s'il te plaît, reviens. Ça suffit. Du n'importe quoi. Quelle bêtise. Quelle bêtise. C'est une bêtise, ça. Mon mari, désolé. Mais toi, hein? C'est quoi ça comme histoire? Our love will be forever. We are meant to be together. Oh, be more. All I see is love. True, true, I've fallen in love. On a memunobio. Oh, de monaro. All I see is love. True, true, I've fallen in love. On a memunobio. Obim! Et Dosier! Ma princesse! Et Jaidi! Salut! Je ne sais pas. Oui, bon après-midi. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. L'as-tu vu? N'est-il pas à l'intérieur? Non, je ne pense pas qu'il est à l'intérieur. Attendez. Et Dosier! Et Dosier! Apparemment, la porte est fermée. Hey. Je ne l'ai pas vu depuis hier. Hey, tu ne l'as pas vu depuis hier? Hey. Ok, ne t'inquiète pas. Pourquoi ne pas rentrer? Et à son retour, je lui demanderai de passer te voir. Non. Je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il sera de retour. Okay. Je vais attendre un peu. Je dois m'en aller. D'accord. Obiora, tu veux dire qu'elle était venue dans votre maison? Elle était venue. Je l'ai chassée. Ah, Obiora, je te fais confiance. Tu devais même la couper une jambe. Mon cher, tu sais que je suis un homme très sérieux. Cette fille était chanceuse. Avant que je ne puisse entrer à la maison et sortir avec ma machette, elle avait déjà fait. Hey! Elle est vraiment chanceuse. Maintenant, je sais que cette idiote est complètement bête. Elle est vraiment une folle. Elle est vraiment une folle que je n'ai jamais vue. Je te jure. Hey! Oh, elle a de la chance, c'est quand même ça. Dis-moi, pourquoi vas-tu en ville? Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu te voir. Ma femme et moi avons prévu partir demain. Demain? Oui, nous avons prévu partir demain. Si tôt?
Nous devons partir très rapidement et essayer de planifier d'autres choses. Nous venons à peine de nous marier. Nous devons faire les choses les plus rapidement possible. Hey! Obiora, donc finalement tu veux me laisser seule ici dans ce village? Mon cher, bientôt tu vas partir. Je suis en train de prier pour toi que tu aies ta femme pour t'en aller aussi, mon Amen. Cher ami. Amen, je le réclame. Je le réclame, honnêtement, je le réclame. Ah, tu reçois ça. Je pensais que tu étais célibataire à vie. Mais tu sais que je voulais tout abandonner et devenir comme toi, non? Hein? En tout cas, tu es dangereux. Bon, je suis en train de prier, je prie que tu deviennes comme C'est maintenant comme moi. Que tu parles, mais je suis très très content pour toi, Obiora. Je suis très content pour toi, merci, honnêtement. Merci. Hey, bientôt là, tu deviendras papa. Tu auras des enfants qui vont commencer à t'appeler papa, papa, papa. Tu auras des enfants. Vraiment. Mais tu vas me manquer. Ma princesse. Tu es toujours là. En fait, je suis toujours en train de l'attendre. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Je pense qu'il s'est enfoui. Pour aller où? Je ne sais pas. Je suis ici depuis que je suis arrivée. C'est pas de son habitude. Il n'est jamais comme ça. Il ne l'a jamais fait. J'ai très peur. Calme-toi, s'il te plaît. Et dosier. All I see is love. Juju, I've fallen in love. Et dosier. Edozie, qu'est-ce qui se passe? Edo! Tout est maintenant très compliqué. Je ne sais pas expliquer ce qui ne va pas avec moi. Je ne saurais pas. Premièrement, c'était Dempsey. Il est parti comme un fusée et je ne l'ai jamais revu. Il est parti. Et maintenant, Edozie, un homme que j'ai vraiment tant aimé, il est aussi parti. Oh, mais pourquoi tout ceci m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Ma sœur, si vraiment vous vous aimez, tôt ou tard, vous finirez par vous rencontrer. Je pense qu'il s'est caché à propos de ce que papa lui avait fait. Je ne pense pas. Son téléphone est éteint. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Mais pourquoi est-ce que tout ceci est en train de m'arriver? Porte-toi bien, ok? Tout se passera bien, ok? Alors, essaye de te calmer. D'accord, je suis désolée. Essaye de te calmer, s'il te plaît. Egodi, où est-ce que tu vas? Je veux voir mon amour. Ton amour? Qui est ton amour? Tu ne sais pas, il ne t'a pas encore dit. Ah, mais Dozier est mon amoureux. Ah, je vais aller lui montrer ma jolie robe. Et mon joli make-up. Es-tu malade? Non, dis-moi, es-tu en train de perdre la tête? Quel est ton problème? Retourne à la maison, maintenant. Non, je vais aller voir mon amoureux. Retourne à la maison. Je vais aller voir mon amoureux. Va à la maison. Non. Laisse-moi, je vais aller voir mon amoureux. Regarde-moi ça. Quel est ton problème? Va à la maison. Vite. Ok. Sors ici aujourd'hui. Je suis là. Nous allons tous les deux mourir aujourd'hui. Je suis là, ok. Sors si tu es un homme. Sors ici. Je suis là pour toi.
Nous allons aujourd'hui, nous deux. Viens. Que la tonnerre. Que la tonnerre s'abatte sur toi. Je le dis. Je le répète encore. Que ça s'abatte sur toi. Tu n'as pas fait ce nom pourquoi je t'ai payé. Hein? Hé, hey, aujourd'hui, moi et toi, je te dis. Ok. Moi que tu vois là. Moi, Okechi. Tu t'es joué de moi. Tu t'es vraiment joué de moi. Oh, mon Dieu, non. Regarde, tout ce que j'avais, okay, je l'avais partagé avec toi. Oui, hein? Même quand j'étais sorti avec toi, tu disais, ok, continue, dis quoi? Continue. Maintenant, pourquoi tu te plains? Tu continues à me parler? Hein? Je vais te couper. Oh, j'allais. Oh, ok, reviens ici. Obiora. Papa. Je veux que tu puisses très bien prendre soin de toi et de ta femme. D'accord, papa. Est-ce que tu m'entends? D'accord. Obi, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Nous n'allons pas oublier, je n'oublierai pas, maman. Mm-hmm. Amara, maman, ma belle-fille. Hey, ma belle-fille, oh. Rappelle-toi très bien de tous mes conseils. Fais toujours tout ce que je t'ai dit. Et n'oublie aucun. M'as-tu compris? D'accord, maman. D'ailleurs, tu vas beaucoup me manquer. Tu vas me manquer aussi. Merci beaucoup. Prends bien soin de mon frère. Je le ferai. Pour toujours, tu resteras ma sœur. Et ma prochaine vie, quand je reviendrai, je te chercherai. Dans ma prochaine vie, tu seras mon plus grand ennemi. Parce que je t'aime toujours. Pourquoi? Ma fille, va à l'intérieur prendre un sachet. Hein? Tu connais comment les gens vivent en ville? Vraiment, hein? Le chemin est très difficile. Hein? Dépêchez-vous alors. Alors, va chercher rapidement. Ok. Vas-y. S'il te plaît, ne le fais pas, s'il te plaît. Ne te dérange pas, s'il te plaît. Ah, hein? Vraiment, mon fils. On vient pas aller le faire. Ok, c'est bien alors. Fais-le très bien. Il ne faut pas... Oui. Oui, d'accord. Tu sais très bien que faire tout ça, c'est pas facile. Hein? Amaka. Amaka. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Es-tu sûre? Amaka, es-tu enceinte? Enceinte? Non, maman. Approche-toi ici. Je veux voir. Hey! Amaka, je m'en jouais. Amaka, tu es enceinte! Hey! Amaka, tu es enceinte! Parle non avant que je ne te fasse du mal. Permets-moi. Laisse-moi lui parler. Que j'essaie de régler. Ou bien tu veux que je te laisse. Laisse-moi. Okay. Laisse-moi le faire moi-même. Non. Je reviens. Je l'ai remis à toi. Elle est à toi. C'est quoi le problème? Tu peux la prendre. Mais on l'a eu ensemble. Non. Elle t'appartient à toi seule. Oui. Elle t'appartient à toi seule. Tu vois maintenant, tu l'as enseigné, tu l'as envoyé à l'école. Prends ta charge. Ngane. Laisse-moi pardon vivre en paix. Telle mère, telle fille. Hey, allez, toi, approche-toi ici. Viens me dire qui t'a engrossé. Vas-y, parle-moi. Alors,
Alors, tu veux me dire que, après des ans, qu'il va revenir vers toi? Oh tiens chérie, oublie ça, il ne viendra plus. Mais de quoi parlais-tu? Bien sûr qu'il va me revenir, il reviendra à moi. Mon instinct ne cesse de me le dire et j'ai bien confiance. Ma chérie, oublie ça. Qui sait s'il est déjà marié? Il n'est pas marié. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui te dérange? Veux-tu m'effrayer ou quoi? Je ne te comprends pas. Non, je suis juste en train de te faire comprendre que c'est évident, évident. Ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il va revenir. Arrête alors de me déranger. Non, écoute, je suis ton amie. Je suis juste en train de te faire raisonner que... Ce n'est pas du tout la vérité. C'est mon instinct et je te dis que mon homme va finir par revenir. Enlève cela de ta tête. Il ne va plus rentrer. C'est amusant. Ah. Derrick! Ah. Non, mon Dieu! Je n'en reviens pas, Derrick! T'es retourné quand? Je suis ici depuis 6 mois, peut-être même plus que ça, oui. 6 mois? Exactement. Waouh, mais ça a traîné. Alors, comment vas-tu maintenant? Oui, je vais bien. Comme content de l'entendre. Tu es très beau comme ça. Merci énormément. Toi aussi, tu es devenue très belle. Merci. Je viens du boulot et maintenant là, je rentre me reposer. Merci. C'est bon alors. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Si ça ne dérange pas, comme ça, je vais t'inviter aussi pour le dîner. D'accord. Waouh! Merci. Tu es devenue très très belle. Bye. Pendant que j'étais en voyage, je ne pensais qu'à toi. Oui. Tu pensais vraiment à moi? Mais tu ne m'avais jamais appelé. Et maintenant là, tu es en train de me dire que tu pensais à moi? Ce n'est pas important que je puisse me défendre. Je suis désolée pour ce qui s'était passé. C'est bien. J'espère que tu as changé d'avis. Le grand problème, c'est que je continue à t'aimer. Oui. Est-ce que tu t'entends bien? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas vraiment comment te le dire. Mais je sais que je t'aime toujours. Et je t'aime énormément. Bien, pour être honnête avec toi, Denis, je veux juste être sûre. Je dois le faire, je dois être sûre. En fait, me rassurer. Qu'est-ce que tu veux dire? On va s'appeler. Passe une bonne journée. Princesse Billy, je n'arrêterai jamais de t'aimer.
Je n'arrêterai jamais de t'aimer. C'est toi que j'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime énormément. Salut. Salut. Ça fait 2 jours que je marche maintenant. Ok. Alors je suis encore venue dire merci une fois de plus. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir. Comment? Je t'aime. Je t'aime. Même si tu décides de t'en aller, je veux que tu saches que je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu m'as toujours dit que l'amour n'a pas de limite. C'est ce que tu m'avais dit. Si je te demande de m'épouser, vas-tu dire oui? Tu m'avais dit que l'amour n'a pas de limite. Tu me l'avais dit. Tu m'as dit que l'amour n'a pas de raison précise. S'il te plaît, ne dis pas non. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne t'aurais même pas y penser. Ah. Non, je ne t'aurais pas. Where are you? I'm making up. My heart beats for you. I'll be more. Qu'est-ce qui te dérange énormément? Mais toi vraiment? Comme je suis là, comme tu me vois maintenant là, tout le monde m'a déjà rejeté, toute ma famille m'a déjà abandonné. Mais ma maman est déjà venue, une fois ou deux fois comme ça. Mais depuis que tu es là, je n'ai vu personne t'appeler. Tu n'as pas de membre de famille. Mais personne ne t'appelle, c'est quoi le problème? Attends, je n'arrive même pas à te comprendre. Mais pourquoi tu n'arrives pas à parler? Hein, mais pardonne-nous, non? Dis-nous pourquoi est-ce que tu es ici, dis-nous d'abord. Les amis, vous n'allez pas comprendre. Comprendre quoi? Et toi aussi comprendre quoi? C'est compliqué, mes amis. Moi, je t'ai posé la question. Je ne vois personne t'appeler ni te voir. Est-ce que tu n'as pas de relation? Malchance. Quoi ça? Je disais malchance, comme quelque chose n'est pas bien. Alors, disons que les choses ne sont pas passées comme prévu. Il n'est pas tellement important de nous apprendre des vocabulaires que nous. Tu viens juste de le dire. Alors, oui. Mais tu n'as pas essayé aussi d'expliquer si c'est. Ce qui m'est arrivé, c'est. C'est exactement ce que j'avais vu dans mon rêve avant de venir. Alors, je ne pouvais pas l'échapper. C'était très dur.
Qui est là? J'arrive, s'il te plaît. Vous voulez casser mon portail? Ah, et Edozie, tu es là. Ah, je pensais que comment tu n'allais plus venir. Pourquoi pas? Je ne pouvais pas quand même faire une éternité oh, là-bas. Oui. Je suis là. C'est très bien. Maintenant, là, j'étais en train de sortir pour aller trouver quelque chose. Alors, tu sors déjà? Oui. Alors, tu peux aller à l'intérieur et faire comme chez toi. Je vais revenir. Alors, tu ne vas pas traîner. Hein? Non, 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 non. Toi, attends-moi. Hein? Oh, ok, merci. J'arrive. Hey. C'est une grande parcelle. Mmh. Es-tu... officier. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Nous venons du commissariat et nous avons un mandat de fouiller cette maison. Sinon... Officier, je ne suis pas le propriétaire de cette maison. Le propriétaire vient juste à peine de sortir. Vous n'avez pas vu un monsieur avec un chapeau comme ça? Vous l'avez confondu. C'est toi, monsieur Marthe, monsieur. Pas du tout, officier. Je viens à peine d'arriver. Officier, fouillez partout. Garde silence. J'ai trouvé quelque chose. Oh non, pas vrai. Officier, je ne connais absolument rien. Silence. Je ne suis même pas entré à la maison. Je viens à peine d'arriver. Silence. À peine d'arriver, officier. Jeune s'il vous plaît, officier. Tu es sous arrestation. Qu'est-ce que j'ai fait, officier? Silence. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez-moi ça. Je viens à peine d'arriver, officier. Je viens à peine d'arriver. Et de la drogue. S'il vous plaît, officier, je ne connais absolument rien. Silence. Même au sac, s'il vous plaît. Tout ce que tu diras se retournera contre toi au nom de la loi. S'il vous plaît, officier. Avance. Avance. Voilà la raison pour laquelle je me retrouve ici. Ça, c'est vraiment terrible. En tout vraiment cas, terrible. Si je dois te dire, c'est que, mon cher, il n'y avait pas de choix. Tu as vraiment tout risqué. Et mais, mon cher, je dois savoir que ce sont les réalités de la vie. Les gens sont toujours très méchants. Pas de choix. Oh, qui est-ce? Entrez. Bébé, est-ce que tu vas bien? Tu ne peux pas venir avec affection dans mon bureau. J'ai été apporté le dîner. Mais désolé, je n'ai pas du tout besoin de ça. Il y a un temps pour tout. C'est très bien. Je vois que tu n'as pas envie de parler. S'il te plaît. Mon Dieu. Ah. Salut. La façon dont tu m'avais appelé veut dire quoi? Tu as dit traquer? Je ne te traque pas. Je suis juste venu pour te demander si nous pouvons dîner ce soir. Non. Désolée de décevoir, je ne peux pas. Je serai occupée. Demain? Tu as bien compris. Après-demain? Peux-tu m'excuser et quitter mon bureau? Je suis très occupée. Ah! Il y a ceci, mon cher. Mm-hmm. Tu vois, il y a des gens toujours qui viennent seulement pour gâcher la vie des autres.
Tu vois, c'est comme lui aussi. Ils sont venus gâcher sa vie. Et arrête quand je parle, faut fermer ta bouche. Attention. Moi, je parle, toi, si tu parles. Tu blagues avec moi. Tu blagues avec moi. Et dossier. Tu es voulu, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, c'est quoi? Il se peut qu'on te libère. Ah, peut-être que Dieu a répondu que tu veux partir. Deux années! Mon cher, deux années! Deux années! Et tu t'appelles mon ami? Quel genre d'ami es-tu? Mon ami, calme-toi. Je sais que je te dois vraiment d'excuses. Hein? Calme-toi. Tu penses vraiment? Tu penses vraiment que je vais te pardonner après avoir perdu deux années? Deux années! Mon cher, calme-toi. Calme-toi. Regarde. Tu dois d'abord te calmer. Les excuses viennent de moi-même. Je dois t'assurer que tout est bien maintenant. Hein? Calme-toi, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Ne t'inquiète pas, tu peux te mettre. S'il te plaît, mets-toi, mets-toi. Je sais que tu dois être fâché maintenant. Hein? Mais laisse-moi juste aller prendre... Hé, hey, n'ose même pas. Ne me cherche même pas. Ne bouge même pas de là. Ne bouge pas. Parce que la fois passée, tu étais parti. Tu étais parti comme ça. Et j'ai perdu deux années en prison. Alors, je n'ai aucune intention de te laisser bouger. Tu vas rester toujours là devant moi. Assez-toi. Mon cher. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu as toujours peur. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ce que j'ai dit, ok? D'accord, papa. Et rassure-toi que tu donnes le chèque au contractant. D'accord, papa. J'ai une réunion avec le président général. Donc, je dois partir. Père? Ouais? Vous avez oublié? Oublié quoi? Vous avez promis à IJ un dîner royal. Ah! J'ai oublié. J'avais d'ailleurs vu dans la cuisine, on était en train de préparer et je pensais que c'était pour elle. Ouf. D'accord, je pense que je dois reporter mon rendez-vous avec le PG. Va la chercher. Hein? Le déjeuner va avoir lieu. D'accord, papa. Alors, Edozie, comment trouves-tu cette maison? C'est un très bon endroit. C'est bon. Edozie, je te dois beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je me suis décidé de commencer par ici. S'il te plaît, accepte ma demande. De quelle requête parles-tu? Accepte ma demande de gérer cette maison. Comme la tienne, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de meilleur que je pourrais te donner. Cette maison t'appartient maintenant. Alors, s'il te plaît, ne me dérange pas. Et ça, c'est quelle aventure tu me racontes? Alors, arrête, s'il te plaît. Ce n'est pas une blague. C'est juste un commencement. Bien, une fois encore, félicitations pour ta nouvelle maison. Obina, tu es sérieux? Mais oui, bien sûr. Hey! Obina, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Merci, Obina. Merci, merci, merci. Merci, merci. C'est bon. Regarde. Je sais que ce n'est pas encore tout. Mais le meilleur reste à venir. Hein? Une fois encore, félicitations. Hey! Bonjour, ah, frère. Grand frère, aujourd'hui tu es rentré à temps. Je voulais venir voir à quoi tu ressembles, étant donné que tu vas au palais pour le déjeuner. Grand frère, tu n'as plus confiance à ta petite sœur. Lève-toi, non.
Laisse-moi voir. Mmh. Hey, ma jolie sœur. Quintessence de la beauté. Hey. Tu as main. Ta beauté est irrésistible. Grand frère. Grand frère, c'est lui. Tu as vu toi-même, hein? Grand frère, comment je suis? Grand frère, c'est comment mes cheveux? Bon après-midi. Que fais-tu ici? Réponds, qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Ne me pose pas cette question. Écoute, salue le gars dont tu parles. Oui, grand frère. Ce n'est pas possible, n'en déplaise à Dieu. Je ne peux rien avoir avec cette famille. Je ne vais pas accepter ce gars. Que ce calme te foudroie. Dehors. Grand frère, s'il te plaît. Tu es encore ici? Ok. Attends-moi, j'arrive. Grand frère! Grand frère! Grand frère, qu'est-ce qu'il y a, non? Eh mon Dieu! Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Idji, laisse-moi tranquille. Tu vois ce gars? Je vais lui couper le pied maintenant. Grand frère, s'il te plaît, calme-toi, explique-moi. Grand frère! Grand frère, hé! Hey. Grand frère, explique-moi, non? Grand frère! Garde tes distances. Je vais foudroyer ton crâne. Mais qu'est-ce qui se passe ici, pardon? Tu veux de quitter cette maison? Calme-toi! Qui cette maison? Mais c'est quoi le problème? Idji, dis-lui de s'en aller. Mais dites-moi au juste, qu'est-ce qui se passe? Garde tes distances. Tu es chez moi, tu me défies? Grand frère, s'il te plaît, calme-toi. S'il vous plaît, calmez-vous. Hey! 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 Ma poitrine, il m'a tiré dessus. Il m'a tiré dessus. Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Qui a tiré sur toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui? Je suis sûr que c'est lui. Mais de quoi tu parles? Qui a tiré sur toi? C'est lui. Ada, j'ai plus besoin d'un voyant. Hey! Qui? Qui a tiré sur toi? Je suis sûr que c'est lui. Qui? C'est qui ça? C'est lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Vous vous adressez à moi? Je ne veux pas que tu aies quoi que ce soit à voir avec cet homme. Qu'est-ce qu'il fait ici? Que fais-tu ici, mon ami? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es chez moi et tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Vraiment? Grand frère, mais c'est quoi les problèmes? Pour toi. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe parce que je ne comprends rien. Je ne sais pas. Tu vas où? Calme-toi. Hey, attends, non. C'est quoi? Qui est celui-là? N'importe quoi. Regarde. Hey, c'est lui. Qui est cet homme? Mes grands frères, qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? Lâche-moi. Animal. Grand frère, s'il te plaît. Grand frère. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Je veux juste savoir ce qui se passe. S'il te plaît, je suis venu pour reconquérir ton amour. Je n'ai pas vraiment le temps pour ça.
Il est vraiment très tôt. Tu ne peux pas t'en aller pendant que je parle. Je suis en train de le faire. Je pars au boulot. S'il te plaît, oui, madame. Le portail. Ok, madame. J'ai quand même bloqué ces portails. Mais partez, non, j'ai quand même bloqué ces portails. Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il est de retour. Et il ne fait que m'appeler, me demandant des choses. Qui est rentré? Et Dosier? Non. Derrick. Denise? Qui est Denise? Il était mon premier amour. On était follement amoureux l'un de l'autre avant qu'un mal ne nous arrive. C'est un peu ça. Après ça, il était envoyé pour des soins médicaux. Depuis ce temps-là, on ne s'était plus revus pendant quelques temps. C'est un peu ça le problème. Est-ce que tu l'aimes toujours? C'est ça le problème. Je suis tellement confuse. Je ne sais même plus si je l'aime toujours. Je ne sais pas. Chérie, questionne à ton cœur. Questionne à ton cœur d'une manière profonde et tu le sauras. Et s'il te plaît, ne permets pas à cette histoire des dossiers de tourner la tête. Ok? Quand tu vas questionner à ton cœur, tu le sauras. Oui, fais-le. Moi, je fais d'abord un tour à la banque. Mézier. Père.
Quel est le problème? Où est-elle? Elle n'est pas venue avec moi. Pourquoi? A-t-elle changé d'avis? Non, père. C'est pas à cause d'elle. C'est son frère. Son frère m'a chassé avec une machette. Quoi? Quelqu'un dans mon royaume a renvoyé mon fils avec un coucoupe? Ne sait-il pas qui tu es? Garde! J'enverrai le garde pour le tuer. Père, je pense que ce n'est pas important de faire ça. Je crois que ça a un trait avec Edozier. Edozier doit être son ami. Ça ne compte pas. Je veux lui apprendre une leçon. Non, non, papa, ça ce n'est pas nécessaire. Si vous agissez comme ça, ça va vraiment compliquer les choses. S'il vous plaît. Ma princesse, je t'aime toujours et je veux que tu reviennes dans ma vie. Peux-tu t'entendre très bien? Tu m'aimes et tu m'as laissé toutes ces années sans pourtant m'appeler? C'est quoi tout ça? Princesse, c'est juste 2 ans. Juste 2 ans, tu dis? Donc 2 ans n'est pas suffisant pour moi pour bouger avec ma vie? Et si je m'étais mariée? Hein? C'est pourquoi Dieu t'avait gardé pour moi. Mon œil. Écoute, je suis très fatiguée. J'ai eu une journée très stressante, s'il te plaît. Excuse-moi. Ma princesse. Princesse. Ma princesse. S'il te plaît. Je t'aime énormément. Princesse. Princesse. Peux-tu me laisser tranquille? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je veux rester seule. S'il te plaît. S'il te plaît. Je veux que tu reviennes dans ma vie. S'il te plaît, je veux que tu reviennes. Je t'en supplie, s'il te plaît, accepte de revenir. S'il te plaît, ma princesse. Lève-toi. Non. Non, je ne veux pas me lever. Jusqu'à ce que tu m'acceptes et que tu reviennes. Et si tu refuses, je ne te pardonnerai pas. Je peux te pardonner si tu te lèves. S'il te plaît. Oui, ma princesse, tu m'as beaucoup manqué. Oui, sérieusement, tu m'as beaucoup manqué. Je suis contente que tu sois venue au bon moment. Au bon moment? Toutefois, tu ne comprendras pas. Tournons la page. Bébé, je pense que nous devons rapidement nous marier. Oui? Pas si vite. Pourquoi c'est précipité?
Bonjour, ma princesse. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Oui. Le déjeuner est prêt. Oh. Le déjeuner au lit. Bébé, tu vas me tuer. Tu fais... Oui. Pour moi. Pour toi, bébé. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Ça a l'air délicieux. Oui, oui. C'est bon? C'est toi qui l'as fait ça? J'aime ça. Merci. Merci. Je t'en prie. T'es là? Ah! Bonjour! Oui, oui, bonjour. Je pense que t'as bien dormi. Oui, bien sûr. Bienvenue. Merci. Tu es très, très belle. Hey! À quoi est-ce que tu t'attends alors? J'ai une surprise pour toi. Surprise? Oui. Vas-y alors. D'accord alors. S'il te plaît. Ma princesse. S'il te plaît, épouse-moi. Oui, je veux que tu puisses être la mère de mes enfants. Sois ma femme et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Désolée, on ne peut pas faire ça. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Nous ne sommes pas sûrs, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis prêt. Oui, je suis très sérieux. S'il te plaît, épouse-moi, sois ma femme. Je ne veux plus te perdre. Et je dis que je ne suis pas prête pour ça. Je ne le suis pas. Pourquoi pas? S'il te plaît, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, mon amour. Non. Veux-tu m'efforcer? Non, non, mais je ne peux pas le faire. Je dis non. Ma princesse, lâche-moi. Je... Non! Ah. Princesse? Que tu t'es causé toi-même. Maman, s'il te plaît, ne recommence pas. Pourquoi ne pas le faire, Amaka? Pourquoi ne pas le faire? Alors que tu refuses de nous dire qui t'a engrossé. Et depuis lors, tu refuses à ce qu'un autre homme puisse t'épouser. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Amaka? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Regarde ton enfant. Tu me donnes le dos. Tu ne résous pas le problème, Amaka. Thank you.
Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je sais que je suis fini. Bah, ça se balaye après toute ma vie. Non, arrête. Non, arrête ça. Laisse-moi prendre ma bière. Donne-le-moi. Biora, ceci est le test de notre pacte. Et je vais mourir si seulement je révélais le secret. Je n'avais pas prévu que ceci arrive. Et j'aurais souhaité que tu sois ici. Pardon, mon frère. Prends soin de notre enfant. Et dans la prochaine vie, nous ne serons plus jamais amoureux. Tu as fait quoi? Comment oses-tu? Et pourquoi pas le faire? Je ne pouvais qu'accepter. Oui, tu pouvais qu'accepter. Bien sûr que tu ne voulais pas accepter. Parce que tu ne fais qu'attendre les retours des dossiers. Sinon, tu n'allais pas refuser de te marier. Ce n'est pas pour ça, s'il te plaît. Ce n'est pas ça. Dis-moi exactement, c'est pourquoi alors? Parce que je veux rester seule. J'ai besoin du temps pour penser à ma vie. C'est de ma vie que nous parlions ici. Est-ce que tu t'entends parler? Ce n'est pas du tout amusant. C'est quoi avec toi? C'est moi qui te demande c'est quoi ton problème. Ça c'est mon problème et tu veux t'en approprier. Je suis ton ami. Oh là, tu me nerves maintenant avec tes cris. Ah! S'il te plaît, arrête de pleurer. Hein? Nous l'avons tous perdu. Désolé. Je crois qu'elle s'est tuée parce qu'elle ne voulait pas révéler les noms du père de son enfant. Seul Dieu sait pourquoi. S'il te plaît, bébé, calme-toi. Dieu, pourquoi? C'est bon. S'il te plaît.
Je t'ai apporté ta bague. La voici. Ma princesse, la vie sans toi est incomplète. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Mais pourquoi me fais-tu tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Tu seras bien. Excuse-moi. T'épouser. Oui. Je le veux. Merci, 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 merci. Et prends. Oh mon Dieu. Ah, ah oui! Ah, 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 vraiment? Oh, je t'aime! Ma soeur est partie. Elle est morte à cause du péché que j'ai commis. Mon Dieu! Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller au village pour dévoiler ce secret. Briser ses vœux. Non. Je m'en fous. Ils doivent connaître la vérité. Ils doivent connaître la vérité. Où est Aïcha? Ouais, elle est là. Bébé, c'est quoi la chose que tu ne voulais pas me dire au téléphone? J'ai dit oui. Oh, vraiment? Tu as dit oui? C'est magnifique! Oh, Seigneur! Oui! Oui, oui, oui! C'est vraiment ça! Oh, c'est vraiment ça! Je suis très heureuse! On doit vraiment célébrer! Exactement, il l'a fait. Tu sais, je suis très contente depuis hier. Oh, je ne peux imaginer. C'est une célébration. Bien sûr, bien sûr. Laisse-moi aller m'échanger et puis on sort. C'est bon. C'est bon. Félicitations, ma chérie. Ouais. Félicitations. Oui. Oh, ma merci chérie. Oh, mon Dieu. C'est merveilleux. Dosé? Mon Dieu. Mon Dieu. Mais Dosé se ressemble. Hé, hey, Dosé, regarde-toi. Mon cher, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vis dans cette ville? Oui, je vis dans cette ville. Et c'est comment avec toi? Je suis ici. On essaie de se battre, mon cher. Quoi ça?
Oh non, je dois vraiment prendre ton numéro afin que nous gardions contact. Bien sûr. Quoi ça? Regarde-toi. Oh, quelle surprise. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'il te plaît, appelle-moi. Waouh, c'est très bien. C'est très bien. Je me marie très bientôt. Tu es sérieux? Oui, je vais t'appeler comme ça, nous allons parler. Je suis fier de toi. Merci. Une bonne viens là. Mon frère. Appelle-moi. Hein. D'accord, appelle-moi. Je vais t'appeler. D'accord. Je dois voir quelqu'un ici. Ok. Alors, on va se voir et parler. D'accord. Mon cher, prends soin de toi. Je l'ai vu avec mes deux yeux. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit que je l'ai vu. Il est dans cette ville. Et il est en vie. Je n'en reviens pas, Seigneur. Oh. Dozier? Oui. Ah. Chérie, tu peux arrêter, s'il te plaît. S'il te plaît. N'essaye pas de ramener ton passé ici. Ça va ruiner tes préparatifs de mariage, non? Tu vas te marier bientôt. Arrête ça, s'il te plaît. Tu peux arrêter? C'est ce qui me dérange maintenant là. Et je n'arrive pas toujours à croire qu'il est en vie. Ah. Oh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Tu ne peux pas. Messieurs, ne me dis pas ça. Ne me le dis pas. Je ne te permettrai pas d'épouser une fille dont la famille a des traces de folie dans leur sang. Tu m'as entendu? Père, pourquoi vous faites ça? J'aime cette femme et je veux l'épouser. Tu aimes cette fille? Tu aimes cette fille? Oui, père. Sur mon cadavre, épouseras-tu la fille-là? Marque mes mots.
La dernière fois que j'étais au village, j'avais rencontré une femme et elle m'avait dit que tu avais disparu. J'avais même entendu une rumeur que tu étais mort. Bien, je m'étais retrouvé dans une situation très compliquée. Mais je me porte bien, je m'en suis débarrassé. Et j'essaye de continuer à vivre. D'accord alors. Bien, ce n'est pas mal du tout. Tu as l'air joli. Ah. Je parais bien devant mon ami. Tu sais, c'est juste une apparence, mais à l'intérieur je souffre. Sérieusement. Alors, que pourrait être le problème? Des blessures intérieures. Tu viens de rompre? Non, j'étais tombé amoureux d'une fille quand j'étais au village. Mais après, j'ai perdu son contact et les choses sont très mal passées. Et il y a quelques jours que je l'ai vue au centre-ville. Oh, c'est une bonne nouvelle. Bien, tout ce que tu dois faire, c'est la laisser partir. Si elle est à toi, elle est à toi. Hein? Honnêtement, je pensais que c'est simple. Mais merci. Je pense que tu vas bientôt la voir. Je t'en prie. Je pense que je dois t'inviter dans ma maison pour un dîner ce week-end. Ah, ok. Je suis vraiment partant. Non, pas tant que ça. Ce n'est qu'un coup d'un soir. Oh, ne t'en fais pas. Sans doute, je viendrai. Je viendrai. Je vais venir, mon cher. Je vais t'attendre. Merci. Merci. Ah. Oui, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans ma maison. C'est merveilleux. C'est si magnifique. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. En tout cas. Bien, ma femme en devenir est dans la cuisine en train de préparer un truc. Là? Mais attends que je te prenne quelque chose. Ah, d'accord. Ne traîne pas. J'arrive. Allô, Obi? Mais pourquoi non? Comment? Ok. Voilà. Calme-toi, j'arrive, ok? J'arrive dans très peu de temps. Oui, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un problème? Rien de très sérieux. C'est juste que mon frère Obi a été arrêté. Et il a été amené à la police pour être entendu. Où ça? Et je dois aller maintenant à la police. Tu veux que je parte avec toi? Non, il n'y a pas grand-chose, ne t'en fais pas. D'accord, alors. Ok. C'est d'accord. Très bien. Mais je t'assure, je vais rentrer. C'est un très bon endroit. Voilà que je me rappelle. Ma cérémonie, c'est pour le 15. Je veux que tu sois là. Le 15? Oui. C'est déjà arrêté? Mm-hmm. En tout cas, je dois être là. Merci beaucoup. Tu es vrai pour moi. Vraiment. Bravo, en avance. Oui, mon cher ami. Merci, mais je te fais comme témoin. Comment tu le trouves? Ne t'en fais pas. Je veux que tu puisses être mon témoin. Ce n'est pas un problème, mon cher. C'est juste qu'on va en parler. C'est vraiment cher. Bien. Bon, laisse-moi partir. Mais si tu t'en Merci pas, beaucoup, mon cher. Bien, hein? D'accord. C'est très bien. D'accord. Derwi, tu m'avais dit que ton ami était venu te rendre visite. Oui, il vient de partir. Il a reçu un appel urgent et il devait partir. Waouh. Mm-hmm. Va-t-il revenir? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. Mais tu avais dit qu'elle allait traîner. Mmh. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour vous, non? Il a reçu un appel et il devait partir. D'accord. Laisse-moi tranquille. Je t'aime énormément. Mesdames, messieurs, nous sommes venus ici pour célébrer ce merveilleux couple qui va bientôt se marier. Un couple de très jolis fiancés. Rejoignez-moi en donnant des acclamations au nouveau couple, Danis Azoro et sa très magnifique fiancée, princesse Ali. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse d'être venu pour célébrer avec nous. Quoi? Non.
Eh mais, qu'est-ce qu'il y a? Edosier? Edosier? Mesdames et messieurs, la fête ne vient que commencer. Et surtout, la princesse se sentit un peu inconfortable. Mais alors, nous devons nous réjouir. Réjouissons-nous, prenons, buvons! Qu'est-ce qui est vraiment en train de m'arriver? Je dois faire quelque chose à propos de ça. Je dois faire quelque chose. Je dois absolument faire quelque chose. Ma princesse? Ma princesse, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quitté la maison à sa sortie. J'ai besoin du temps. J'ai besoin du temps pour être moi-même. Je dois maîtriser ma tête. Ne me dis pas que tu veux revenir chez lui. J'ai juste dit que je veux maîtriser ma tête. C'est ce que je dis. En quittant la maison le jour avant notre mariage? S'il te plaît, le mariage peut attendre. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. All I see is love. True, I've fallen in love. On an amnobio. All the monarch. All I see is love. True, I've fallen in love. On an amnobio. Chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te maries demain et c'est confirmé. Hein? S'il te plaît, je t'en prie. Ne fais pas ça à tes parents. Et ne te fais pas ça à toi-même. Comment tu peux refuser un homme qui veut t'épouser pour un autre qui t'a rejeté et que ton père avait rejeté? Comment? Ça n'a pas de sens, je te le dis. S'il te plaît, pense-y. Bébé, sèche-moi ces larmes, s'il te plaît. Bébé, juste calme-toi. Tout ira bien. Mais s'il te plaît, fais le bon choix. Bébé, pourquoi tu insistes avec ces voyages? Allons ensemble. Je veux aller seul. Tu sais, je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps au village. Regardez qu'il sera temps d'aller ensemble. Nous irons ensemble. Ok? Ça, ce n'est pas juste. Bébé, je veux aller seule. Juste sois prudent, ok? Toi également. Ah, je serai bientôt un homme marié et je vais profiter de toutes ces choses. Je vais profiter de toutes ces choses. Ouais. Fais ça bien. Aimez-moi tout dedans. Princesse! Oui, vraiment. S'il te plaît.
Désolée. Je ne peux plus du tout continuer avec ça. Désolée. Princesse? Princesse? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Allons-y, tu vas aller te changer. Princesse, viens, tu vas aller te changer, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît. Hein? Regarde, tes parents sont déjà là. Tes beaux-parents et alors tout le monde. Ce n'est pas le bon moment, s'il te plaît. Je t'en prie, ne fais pas ça. Il y a même le prince qui est là pour t'accompagner vers l'hôtel. S'il te plaît, chérie, allons-y. Oh, Biora, tu n'as rien dit. Je pense que ma belle-fille va très bien. Oui, maman. Amara va bien. Papa. Maman, qu'en est-il d'Ifem? Il est parti à l'école. J'ai eu un souci avec Amaka. Quelle Amaka? Quelle Amaka? Ma petite soeur. Hey! Mon Dieu! Ah bon? Mon Dieu. Hey, Obiora m'a tué. Ah, Obiora m'a tué. Il fait mon fils. Hey! Ce n'est pas vrai. Hey! Hey! Obiora. Je suis... C'était quoi? Tu vois, désolé. C'est avec comment aussi quand... Quand... Obiora. Qu'est-ce que tu as? Obiora, Obiora. Obiora. Ne fais pas ça. Obiora. Mon Dieu. Obiora. 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 Mon Dieu. Non. Grand-mère. Tu es vraiment la raison pour laquelle je continue. J'ai vraiment commencé à me plaindre auprès de toi il y a quelques jours. Parce que je sais que tu en es capable. Oui, grand-mère, regarde. Vous devriez me permettre de faire ce qu'il y a dans ma tête. Je connais mon père très bien. Oui, grand-mère, c'est exactement ce qu'elle a fait à ma grande sœur. Oui. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que tu veux me dire par tous tes faits? Oui, mon ami. Père? Père? Qu'est-ce qui est arrivé? Surpris? Oui, père. J'ai été surprise qu'il ait envoyé de garde pour venir me chercher. Mézié. Oui, père. C'est le moment de fixer la date pour votre mariage traditionnel. Merci, père. Va chez lui. Je vous laisse. Je suis très heureux. Moi aussi. Et enfin, la victoire est nôtre. Oui. Je vais passer le reste de ma vie avec toi.
Je ne peux plus attendre. Hey, où est-elle? Princesse! Reviens ici et fais tout pour que tu deviennes ma femme. Tais-toi! Pourquoi tu fais des bruits? Pourquoi tu m'interdis de faire des bruits? Tu penses que ce qu'elle a fait c'est bien pour me faire des bruits? Je t'ai demandé de te taire! Elle a saboté mon mariage et tu me demandes de fermer ma bouche. Va à l'intérieur, fais-la-moi sortir et emmène-la-moi ici. Tais-toi! Pourquoi tu fais des bruits? Emmène-la-moi ici! Mézier, père, va me chercher la femme. Connais-tu cette dame? Qui as-tu dit il est à toi? Votre Majesté, c'est mon mari. On s'était mariés il y a 3 ans en Australie. Les gens peuvent devenir des caméléons. Regarde son visage, tricheur. Et tu veux épouser aussi ma fille aujourd'hui, n'est-ce pas? Sa Majesté, désolé. T'es désolé? Non, tu es désolé. Tu es chanceux que cette semaine, c'est mon anniversaire. Sinon, je t'aurais montré de quel bois je m'échauffe. Maintenant, prends ta femme et sors d'ici, rapidement. Je dis sors d'ici, idiot. Mais va-t'en, non, le roi dit que tu t'en ailles. Tu es toujours là, le roi dit que tu partes. Sors, va-t'en, va-t'en. Le roi dit que tu t'en ailles. Va-t'en. Chérie, papa? Ma princesse. Papa. Oui, chérie. C'est lui que mon cœur aime. Celui que je veux. Chérie. Maman, Votre Majesté. Pourquoi papa fait ça? Calme-toi. Mais qu'est-ce que c'est ça, non? Quand est-ce que ça va finir? Quand? Ma chérie, calme-toi. Tu vas te faire du mal. C'est Edosier ou pas quelqu'un d'autre? Je sais. C'est lui ou pas quelqu'un d'autre? C'est difficile pour lui de comprendre que je suis amoureuse. C'est difficile pour lui. Je
Je n'arrive pas vraiment à comprendre. Je n'arrive pas. C'est très terrible. Viens ici. C'est pour toi. Ajoute ça à ton budget pour le mariage. Parce que je veux que ça soit un très grand mariage. Oh, je ne peux pas le croire. Je vais te bénir. There's nothing more attractive than your confidence. There is nothing more attractive than your confidence. The way you see yourself, oh, is the way. Allons à l'intérieur. Ça fait l'objet de célébrations. Mon beau-fils est ici. Your beauty, so everyone will see. Hand of destiny, oh. Hand of destiny. Akade uchioma. Your confidence is your beauty. If it's the Lord, I got the good job.